Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est un jour triste. Je vais enlever mes décorations de Noël. Bon, j'ai laissé le plus longtemps possible que je pouvais. Là, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 12 janvier. Donc voilà, j'ai poussé jusqu'au bout. Mais là, mon copain aujourd'hui m'a dit bon, il est temps de les enlever. Ce serait moi, je les aurais gardées jusque la fin du mois. Parce que la fin du mois de janvier, mais bon, non, quand même. N'abusons pas trop, Héloïse. Donc voilà, donc je vais enlever mon sapin, je vais enlever mes décorations de Noël, mais pas mes décorations d'hiver. Donc c'est-à-dire toutes les choses où il y a le Père Noël, j'enlève, mais les choses où il y a des flocons de neige, ou c'est juste qui rappelle l'hiver, je laisse. Par exemple, mon coussin Merry Christmas, ou celui-ci, forcément je vais les enlever, parce que c'est plus Noël. Mais par exemple, ce coussin-là avec le flocon de neige dorée, je le laisse parce que le flocon c'est quand même l'hiver. Pareil pour mes plaids, je vais les laisser. Ma crèche, je pense que je vais l'enlever par contre, mon sapin aussi. Mais voilà. Mais sinon, je vais garder quand même quelques décorations parce que ça va faire vide. Ça me rend un petit peu triste. Mais bon, faut passer à autre chose, il est temps. Bon, allez, il est temps. Je vais aller chercher les boîtes de rangement pour ranger toutes les boules et les guirlandes. Et pour finir, la cerise sur le gâteau. Enfin, l'étoile sur le sapin plutôt. À l'année prochaine. Bon, et dans mes toilettes, j'avais cette petite décoration et l'image du Père Noël. Du coup, ça, je vais l'enlever. Et là, je vais aller sur Internet et je vais essayer de chercher une image, du coup, qui fait plutôt hiver, mais pas forcément Noël. Bon. Le Merry Christmas. Make it merry and bright. Celui-là aussi, je le range. Bon voilà, ça fait déjà beaucoup plus vide. Ça fait triste, je trouve. Enfin soit, heureusement, les plaids sont là pour réchauffer encore un petit peu mon canapé. Quand j'ai enlevé ma crèche aussi, je l'ai posée sur mon canapé, ce qui fait que j'ai eu plein de petits... de la fausse herbe en fait, voilà. Il y en a plein sur mon meuble, il y en a plein sur mon canapé. Donc de toute façon, je vais faire le ménage. Juste après, je vais tout aspirer et je vais tout replacer comme il faut.
holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Du coup ici voilà, j'ai mis cette image là, donc c'est un lampadaire en hiver dans les rues d'Angleterre je pense, ou de New York, je ne sais pas. Et donc là comme ça fait super vide, je vais reprendre mes pommes de pin. Avant de passer au nettoyage, j'ai oublié de ranger mon arbre de Noël. Ouais. J'allais laisser le sapin là comme ça, tranquille. Non, malheureusement, il faut le ranger. Christmas, children dreaming. Without a care, 'tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Ouh, c'est rentré. Maintenant, faut quand même le fermer. Je vais mettre du scotch et ça va le faire. Waking up on Christmas Day. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme ça? Parce que ça fait vide, hein, mais bon. J'ai rien à mettre pour l'instant sur mon plan de travail. Enfin, sur mon buffet, quoi. Mais voilà. C'est parce que je veux pas trop mettre des bougies. Je veux pas que la chaleur aille sur ma plante au risque de la brûler. Donc, bon, voilà. Bougie ici, la plante au milieu. Des autres bougies ici. Et ça, c'est un truc qui s'allume. Mais c'est pas avec du feu. Donc, voilà. Je pense que comme ça, c'est bien. Hein. À vrai dire, je peux pas trop faire autrement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, et sur mon plan de travail, c'est le bordel, donc je vais tout ranger. Comme ça, ma maison, elle sera redevenue comme avant. Ça fait vide, mais bon, c'est comme ça. Holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close. Hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me. So
grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Bon, ça par contre, je l'ai pas encore enlevé. Je vais attendre que mon copain arrive pour l'enlever. Donc, bon, je vous le montrerai pas en vidéo, mais voilà quoi. Ça va partir. Oh, mon dieu, ça fait tout vide. Bon, déjà là, sur mon canapé, ça fait un petit peu vide. Alors, le pire, c'est là. Oh, il y avait mon sapin ici. Oh, ça fait tout vide. Voilà. Ma table. Ma cuisine est toute rangée. Bon, là, c'est les soupes que j'ai faites. Donc, je vais attendre qu'elles refroidissent avant de les mettre dans le frigo. Voilà, tout est rangé. Et voilà, j'ai fait mon petit buffet comme ça. J'ai rajouté les châtaignes dessus. Voilà, pour que ça habille un petit peu plus le meuble. Bon, voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça n'a pas été une grosse vidéo ménage, hein. Ça a surtout été une vidéo j'enlève mes décorations de Noël et je remets tout à sa place. J'ai aspiré, bien sûr, tous les petites branches de sapin, hein, la fausse herbe de ma crèche, etc. J'ai aspiré mon canapé, mon tapis, j'ai fait même ma vaisselle. Tout est propre. Voilà, mais c'est pas le gros ménage. Mais voilà, mais ça fait du bien. Tout est nickel propre. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et à la prochaine.